Maseret Shvi'it, traité Shvi'it, Perek Dalet, chapitre 4, Mishna Bet, Mishna 2. Sade Shenit Kavetsa, un champ duquel on a enlevé les épines pendant la septième année. Tizara Bemotsae Shvi'it, on pourra ensemencer ce champ à la sortie de la septième année. Shenit Taiba, si on a enrichi le champ avec du fumier, ou bien on y a fait paître des troupeaux pour faire du fumier dessus, étant donné qu'on l'a enrichi pendant la septième année, ce qui est interdit, eh bien, ces champs-là, on ne pourra pas l'ensemencer à la sortie de la septième année. C'est une sanction pour celui qui a transgressé les règles de la septième année. Ça déchire Taïba, un champ qui a été enrichi par du fumier. L'école de Shammai disent qu'on n'a pas le droit de manger ces fruits qui ont poussé durant la septième année. C'est aussi une sanction. L'école du Hillel disent qu'on aura le droit. L'école de Shammai disent on ne doit pas manger les fruits de la septième année en devant remercier le propriétaire, puisque c'est la règle qui laisse manger. L'école du Hillel disent on peut manger en le remerciant ou sans le remercier. Rabbi Dormer Achilouf Adevarim. Rabbi Dadi, c'est l'inverse. Ici, c'est l'école de Shammai qui sont plus coulants et qui autorisent de remercier le propriétaire, et l'école de Hillel qui sont plus strictes et qui interdisent de remercier le propriétaire.